opposition, les acteurs économiques, ils ont jeté massio, ils ont monté terrain. Et ils n'ont pas monté terrain. Encore. Tout à fait. Ils n'ont pas monté terrain parce que ils remet peuple. Ils n'ont pas monté terrain tout parce que ils remet Haïti. Tout ça qu'a fait là, son jeu de pouvoir, son jeu d'intérêt, son jeu de grand sous qu'a joué là. Et les acteurs économiques, peut-être que ils n'ont pas gain confiance encore dans acteur politique yo, sinon vous faites confiance à tête yo seulement, et bien yo gain représentant yo jodia en dans CPA en la personne de Laurent Saint-Cyr pour al veiller à intérêt yo. L'aime faire aller ça, c'est pour me dire à pays ça cap vous là jodia entre groupe économique ça yo et groupe politique yo. Tout gens virel, moun sa ap gen des comptes pour rendre à l'histoire. C'est-à-dire, si monsieur là, qui t'est temps passé, a traîné les pieds, refusé comprendre mission yo, qui clairement définit un décret, refusé comprendre que yo pas mettre temps pas pour yo, parce que l'exemple le plus probant, le plus récent, docteur Ariel Henry a cru que il s'est mettre en politique là. Il cavine là et il fait un il cavine là, l'a créé toutes les manœuvres possibles et imaginables pour le quimber pouvoir, pour le rester sous pouvoir, croyant que il s'est mettre en politique. Noé, l'expérience pratique de la politique démenti Ariel Henry et nous voit comment il perd du pouvoir, comment il finit très laide. Un bon créole. Je dis, conseil présidentiel transition, vous gardez la parole. Doué gen zye yo fixé sous l'expérience d'Ariel Henry. Comment Ariel Henry a piteusement échoué parce qu'il a voulu jouer sur le temps. Haïti, dans état de déliquescence, de dégradation de la vie. Une dégradation qui a accéléré dans l'état sa pays là, nous pas capable perdre du temps encore. Et faut que chaque acteur qui est dans ce pays et chaque monde qui n'a parti pour nature, parce que la République a regardé là et ouais, c'est les acteurs, les membres du CP, mais il y a également les partis pour nature, parce que c'est deux groupes, c'est eux sous pouvoir. Les moun ki membre CPA y a dirigé, y a exercé pouvoir, les partis pour notre valistin y a tiré les ficelles dans l'ombre. C'est indissociable ou pas ka, c'est indissociable. Les membres, les 9 membres du CP et les partis pour notre qui désignent membre yo, tout ça pral passer dans les prochains jours, ou du moins dans les prochaines heures, il va dépendre de conseillers présidentiels et de partis prenants qui a fait jouer de politique là dans l'ombre, derrière les rideaux. Cela dit, ça cap jouer, le peuple a connu, le peuple a compris. Pas de question de transition coupée fâchée là. Pas gain question transition coupé fâché. Je dis à Nakafou, on t'a parlé avec Chavan Jean-Baptiste, qui c'est membre signataire là à Montana, qui dit clairement que lui-même comme signataire à Montana, il commence déçu. Parce que lui, c'est même bagaille qui pourra le répéter là avec des groupes qui bataille pour prendre pouvoir. Des groupes qui bataille pour répéter encore même système ça. Système qu'il a depuis 86 là, qui va bailler qu'un résultat, qui c'est partage de pouvoir, partage de ministère, partage de direction générale stratégique, en conservant d'un côté les mêmes intérêts pour les groupes économiques, et il y a quelques petits sales babs, à quelques politiciens faméliques, et puis nous pensons que le tout est joué. Je crois que dans les conditions actuelles et par rapport à jamais gagné en fait là, pays a risqué aller tout droit dans mur là,
pays a risqué aller tout droit dans mur là. Peut-être que nous capable toujours étonné. Mais Ismaël, après un mois sous pouvoir, nous allons attendre le miracle de vous. Parce que après 32 mois, il y a un catastrophique, désastreux, calamiteux, un pays qui est à genoux, un pays qui est à la gaba, pas quelqu'un monde qui est lucide, qui est cohérent, qui a la qualité probité intellectuelle, qui a obtenu le miracle de Mounio. Mais au moins, Mounio, qui a gardé marche CPA, il a obtenu du bon sens, des signaux clairs, qui montrait que, qui était capable de montrer que cette nouvelle transition dans la transition prend différent de l'ancienne transition d'échec incarné par Ariel Henry. Je dis à tous les signaux envoyés par le conseil présidentiel et les parties prenantes, il faut que nous tous disions parties prenantes parce que c'est eux-mêmes qui choisissent Mounio et c'est eux-mêmes qui ont exercé le pouvoir dans l'ombre. Tous les signaux des membres. Tous les signes que membre conseil présidentiel l'envoie avec parti prenant yo, yo pas rassuré. Bien sûr, faut que gien tâtonnement parce que bien sûr faut que gien tâtonnement. Que membre CPO a tâtonné, c'était prévisible. On quand même dit c'est pas grave. Son petit bébé, c'est une nouvelle invention, pas une nouvelle invention, une invention que l'a expérimenté. C'est normal, mais pas de gien traîner, pas de gien perdre du temps. Mais c'est parce que CPA a affiché de telles défaillances parmi eux, ce manque de transparence criant que toi et moi fait 32 mois des micros, ça l'a dénoncé. Transparence, par exemple, dans la question CPA, dans la question choisie Premier ministre, pas de transparence, non? C'est toute la République qui a demandé, au moins, monsieur, tu as supposé rendre public la liste des candidats. C'est un minimum de transparence, oui. Valestin avec moi fait 32 mois demander ça là sous pouvoir Ariel Henry, la transparence. Mais je dis à nos processus qui est aussi important pour le reste de la transition, qui c'est le choix du Premier ministre, faut qu'il y ait transparence. Transparence pour l'opinion publique, transparence pour les journalistes. C'est-à-dire savoir combien de candidats tu gagnes, savoir également quels sont les critères qui ont été établis pour choisir les candidats, pour passer de 19 à 13, de 13 à 5. Et retirer opinion publique là, dans rumeur, dans les ondits, dans spéculation, c'est le rôle du CP, c'est le rôle du conseil présidentiel. Parce que ça, si dans exercice ça, je ne pas dire qui c'est un exercice complexe. C'est un exercice complexe. Parce que c'est choisi pour les ministres là. Mais faut que CPA te fait signe de transparence. Parce que c'est parce que même que l'exercice est complexe et que CPA est capable, si on mal opéré, si on pas fait dans la transparence, selon les règles établies par l'accord du 3 avril, c'est peut-être ça même que CPA est capable de sortir fragilisé. Et bien, comme il est capable de sortir fragilisé, monsieur, en nous respectant les règles. En nous respectant la transparence, en nous montrer que nous voulons différents par rapport à l'ancienne transition d'Ariel Henry. Radio Omega. Je dis à tous les signaux envoyés par le CP et les partis prenantes, ils sont pas rassurants, ni pour les conseillers présidentiels, ni pour le conseil présidentiel de transition que me relève en attelage, brinque ballin, mais Valestin, ni également pour la République qui n'est pas capable encore de cette crise qui. Durer trop. Oui, bon, en tout cas, ben ça nous a demandé, parce que je dis, conseil là, pour jouer une petite goutte d'information, c'est son conseiller, son monde obligé par la veille. M'entendez, lui, j'ai allégé l'annonce annoncée sur Radio Kiskeya, il va le nommer en porte-parole. Et il y a un peu de chance pour ta jeune, c'est Peggy Jean qui vient porte-parole. Est-ce que je dois dire la présidence ou bien conseil présidentiel de transition? Je dis plutôt conseil présidentiel de transition. Il y a toute chance ça parce que je parle avec deux mouns là. Il y a possibilité, c'est lui-même
qui vient fait job ça, pensez oui, il est capable merci, pensez oui, il est capable faire job ça. Mais laisse me penser société a grand public là, pays a Juno Jean-Baptiste, média yo, il va dans spéculation pour qu'on a qui est pour parler parce que même penser nous bouquer avec ça. Li vin tourner un bon petit député et comme si cap chercher visibilité dans radio. Au monsieur yo, il a joué privilège de président de la République. Si n'a pas privilège de président de la République, on va toute journée monsieur yo, yo même yo dans radio. Transparence dans CPA, je pense que c'est extrêmement important. Faut que CPA faut un canal de communication. Je pense que ça doit faire. Et au sous-dil, nous pas qu'à espérer de miracle. Mais pendant pas qu'à espérer de miracle là, faut ne pas traîner les pieds. Vous cantez la parole. Faut pas traîner les pieds. C'est vrai, nous pas attendre miracle, mais nous avons un pays qui vient là, qui tête en bas, ou par contre, qui ça a fait dans le pays, certainement, ou presque pas même connaît, côté où doit aborder les problèmes pays à Jean-Baptiste. Vraiment un pile. Et sous bon mois là, jeudi a fait exactement, samedi a fait conseil là, un mois, et je vous dis, à faire un mois, deux jours, depuis c'est eux-mêmes qui ont dirigé Haïti, ensemble avec le gouvernement qui démissionnait là, qui gagne en tête-là, on PM pour un petit bout de temps, on a parlé de Michel Patrick Boisvert, qui reconduit aujourd'hui à travers un arrêté. On parlait tout sous question décret, Juno Jean-Baptiste, moi quoi décret cessamment, puisque décret assien, décret qui établit les règles du jeu, mode de fonctionnement, façon CPA pour fonctionner, façon pour opérer, eh bien, incessamment, décret lui-même l'a publié dans le journal officiel et PIA. Nous avons fait tirer ça à Juno, de toute façon, pour nous entrer dans la question insécurité, et pendant ces semaines, il y a des activités. Nous, aujourd'hui, il y a un blende de la police qui boule. Bon, c'est vrai, il n'y a pas, mais son blende de la police. Nous, ça passe, lisons, nous, réaction la police. Qui ça, la police nationale, lui-même, l'a fait. Nous pas abordé depuis vendredi, nous pas abordé parce que c'est américain. C'est monde d'abord. C'est parce que c'est monde d'abord. Il a annoncé une enquête qui l'ouvre pour arriver et déterminer ce qui passé dans l'ison pendant le week-end qui se passe la soir. Jeudi pour l'ouvrir vendredi. Dans ce sens, nous allons parler avec Lionel Laza, lycée porte-parole, alors lycée coordonnateur Sinapoa. C'est syndicat police national. Ah, c'est un SPNH qui est casé. Lionel Laza plus présent, mais SPNH là, c'est Gary Jean-Baptiste qui a dirigé SPNH. Mais SPNH, certainement, c'est une mission. Hein? SPNH, c'est Jean le parti. Jean SPNH, c'est parti. C'est lui-même qui commence la bataille là, pour que le syndicat de la police là. Mais on va regarder Lionel Laza, Sinapoa. Il mettait SPNH dans l'ombre. Mais ouais, Gary plus a frappé récemment, il m'a démission Franz LB. Après ça qui passe Grissier, on a parlé avec Lionel Laza qui souligne avec nous. Lionel Laza, bonsoir, merci Pascal avec nous dans l'émission Boucanté la parole. Bonsoir Ismaël, bonsoir Juno, je salue tout auditeur, auditrice qui a écouté l'émission Boucanté la parole en Haïti ou à l'étranger. Je salue tout policier, policière qui a écouté nous à travers les pays, je salue tout le monde Belance, la carrément qui branché et Radio Méga qui a écouté moi. C'est un plaisir que à chaque fois que nous invitons pour nous venir parler de ensemble de problèmes qui gagnent, soit dans la police là ou pas, mais qui donc nous-mêmes sommes coup de main que nous avons payé. Nous c'est des jeunes garçons qui d'accord étaient là pour nous garder qui coup de main que nous sommes capables. Et nous bien content ça va avec nous. Soeur. Merci parce que vous êtes disponible. Josia, pendant, si vous voulez un nouveau pouvoir, même si l'équipe gouvernementale là. Passé à, c'est eux-mêmes qui toujours ont géré les affaires courantes, j'en suis capable de dire là. Gang Améo, Negas Améo, et yo pas suspendu faire parler de yo, et yo prend pratique saccager et continuer saccager commissariat et sous-commissariat, yo boulé et blindé. Qui ça qui. Qui ça la police nationale d'Haïti a fait? Bon.
politique avec Juno. Juno t'a toujours dit des fois toujours me prend côté politique là. Plus moins obligé prendre côté politique là parce que les politiques qui a décidé ensemble de la dans pays là, c'est des décisions politiques et qui après je dis à la si il y a un problème mais c'est capable de résoudre c'est parce que non seulement capable pas gain politique là mais décision toujours qu'on a une grande difficulté pour yo capable prendre les pas un secret pour personne monde tout le monde connaît que dans situation que jodi a ici vivre surtout dans ça qui gain pour gain pour problème question insécurité a qui et ruiner tout le monde qui presque est bloqué business tout le monde qui fait que mon pas à passer pour aller telle zone avec facilité donc tout ça c'est problème insécurité à qui cause ça mais pour nous arriver là du bon côté que l'été commencé côté que l'été commencé à qui ça que nous t'es fait par exemple mon qui était là déjà yo qui ça que nous t'es fait pour empêcher que nous arriver côté nous et là je dis là est-ce par exemple premier commissariat que négoté attaque ou tout le commissariat que négoté prend acteur pour écraser est-ce que c'est pas gagnant les au côté soit autorité dans la police nationale d'Haïti ou bien au niveau gouvernement pour te dire que ça c'est un édifice la police que lié c'est symbole lié négatzam pas doué faire ça faire et bien mais on a pris comme décision. Bon garanti si aller par tête et yoté agi dans yoté doué et bien quel que soit groupe nèg armé qui t'a dit il faut dire attaquer un commissariat ou bien a gain tendance pour yo bouler un commissariat ou bien craser un commissariat bon garanti il pas d'affaire c'est parce que nous quittons ensemble de bagages faites qui cause que nous sommes là. Les premiers groupes policiers qui mourent, que bandits ont humilié, mettez-vous en bourrette pour les corps, Stéphane, opération musclée, pour les attention, policiers ça ont mouru, l'exercice fonctionne, avec une forme sous yo. Yo gen de apopéa sou yo. Et bien si nous te d'accord de mettre tête ensemble pour nous attaquer moun sa yo, mbo garanti jodi a la à chaque fois que on nèg ou ken bezam ou touye on police faut ta réfléchir 1 million fois avant pour ta prend cadavre police ça pour ta humilier. Et donc c'est commencement qui peut-être pas gagner des décisions que tu prends et bien qui vinn ba nou ça que nous vinn gagner là jodi a la c'est même gens avec un petit monde que ou gagné voisinage a poto plein pour lui tout temps mais ça l'a fait ou tant d'eau propose ou pas tant d'eau pas régler pour parler ensemble avec lui m'bon garanti le jour que ou pral décider pour prendre une décision la porte à bout parce que petit monde ça il y a bien temps gâté dans sa qu'a fait bien c'est ça qui est là. Dans le moment que nous avons parlé là, autorité on a plus au niveau de l'État, pas de gens assumer responsabilité pour te dire bon, phénomène insécurité, c'est lui-même pour nous couper, mais qui ça n'a fait. Si on la police, pendant près de 3 ans là, qui n'a pas dormi du tout, sont la police qui campait sous des pieds militaires, malgré qu'elle prend pile frappe, parce que faut reconnaître tout. En tant que policier, en tant que syndicaliste, la police a pris un pile coup, la police a pris un pile frappe, un pile policier mourir, un pile matériel, la police boulée, un pile commissariat crasé, un pile commissariat abandonné, malgré que situation difficile, mais quand même, bon effort qu'a fait pour pas permettre que celle institution ça que nous gagnons dans le pays là qui opérationnel qui a travaillé pour regarder comment que nous capables et pas quitter institution ça pays bien que nous connaît que l'en parler de problèmes que institution a gagné les gagner et ensemble de problèmes par exemple des policiers et peut-être qui pas connaît dans quelle institution que là qui sont institutions qui
qui n'ont pas pile. Moi, je suis moins fier parce que je suis policier et moins fier pour mon travail dans la police. Ouais, parce que moi, mes institutions, moi, mes pays, moi, voulais aider pays, moi, voulais aider institutions, c'est qui ça qui fait que, ouais, ouais, que nous, même au niveau Sissinaboa, nous toujours parler, nous toujours proposer, nous toujours. En pile fois, nous qu'on arrive au moment, nous voulons décourager, nous dire à chaque fois que tel bagage arrive, nous pas prendre la parole encore. Mais nous venons réfléchir pour nous dire que nous avons une mission, nous commencer, nous pas capables de laguer le travail là dans la route parce que nous-mêmes, c'est la police que nous sommes, c'est l'institution que nous sommes, c'est travail pour renforcer l'institution policière là. Est-ce que au niveau de Sinapoa, nous disposons des informations à la fois sur ça qui passe l'ison, à la fois sur Blendessa, nous voyons que des bandits criminels boulés et puis y a lagué vidéo comme quoi c'est un trophée de guerre sous la police. Bon, même parce que c'est pas pour la première fois genre de bagages ça a privé et Sinap fait un contrôle, la police presque qu'on dizaine de blindés que négaxam boulé. Donc, on peut imaginer une institution dans la police qui presque qu'on dizaine de blindés que la police perdue. Et chaque fois que nous fait ça, nous toujours fait des vidéos. Est-ce que bagay ça c'est symptomatique mais de le fait que la police là, on va commenter le moins pas capable de prendre soin équipement ça yo. Pas capable mieux utiliser contre bandits yo. Bon, moi-même, je pense que matériel ça a eu, puis là, nous n'oublions que comme si nous pas dans un pays côté que nous gagnons garage, ou du moins nous gagnons côté que nous cachons une pièce blindée ça avec facilité. Les que vous gagnez, vous limitez que non seulement mon capteur vos yeux, par exemple. C'est des gens qui doivent gagner. Jusqu'à présent, je ne dis pas que yo pas gagner. Même quoi que yo doivent gagner plus connaissance dans la question et blindé. Policiers qui a manœuvré, je pense que faut que yo gagne plus connaissance tout, fait formation pour yo, gens pour yo utiliser et blindé yo. Et faut que yo toujours contrôler blindé à chaque fois qu'il apprend la rue, à chaque fois qu'il parle dans intervention, parle dans opération, faut que yo un travail qui fait, faut qu'on contrôle de façon systématique qui fait sous blindé parce que on connaît blindé ça ou pas jamais prend repos sauf si l'en panne. Et donc c'est matin, midi, soir, blindé ça yo a fonctionné. Nous pas gros quantité qui dit bon nous gagne 10 blindés qui dans la rue et 10 ça pas entrer n'a voyer 10 encore qui t'a permettre que et nous pas trop utiliser yo qui t'a permettre que nous dit bon ça fait 3 jours repos l'autre là les pral l'autre jour pral travail. Et donc c'est les blindés qui travaillent kif li viennent que quantité temps pour blindé à ta fort là li pas qu'à folie travail que blindé à ta doit faire li viennent faire plus travail li viennent Il travaille plus par rapport avec quantité de temps qu'il t'a de fait à marcher. Donc, il demande que faut qu'on un bon contrôle, en pile surveillance qui doit gagner au niveau de blindé ça yo, parce que nous apprenons jusqu'à présent nous au niveau Sinapoa, une bagaille que nous baï tête nous comme garantie, c'est parce que à chaque fois qu'il y a des bagailles que nous tendez, nous toujours prend le soin pour aller chercher information avant que nous parlions de eux. Sauf que nous apprenons que blindé, ça c'est une non blindé qui te gagne un petit problème. Donc, nous posons peut-être nos questions. C'est toutefois que blindé a effectivement, ça nous tendait qu'à parler sur le groupe policier. T'as fait qu'on ait question blindé qui pas ta doué dans la mission ou bien dans l'opération. Je dis à la pour qui ça yo qui obligé voyel. Est-ce que moun ki pou la ki pou faire supervision yo qui pou contrôler blindé a pas pour que blindé ça son blindé qui pas doué aller jusqu'à présent c'est ça que nous tande comme information mais li pas sorti dans une source au niveau de la police a qui pou tacher ou ça. Donc même quoi que li important à chaque fois que il y a des interventions qu'a fait pour un contrôle qui fait sous blindé. Puis oublier que blindé c'est policier qui sous yo qui donc jodia là
l'État fait nous plus mal, oui, si toutefois que c'est policiers nous qui sont dans blindé qui mourent. Donc l'État fait nous plus mal, laissez-nous notamment comprendre que effectivement, vrai, mais ça passe. Au niveau grecien, depuis hier soir, il y a un gros problème au niveau grecien. Nous connaissons que les gens ont attaqué le commissariat grecien, ils ont boulé plus fort machine qui sont dans la cour, ils ont mis du feu dans en partie dans le commissariat. Deux jours après, la police a annoncé que ils ont pris le contrôle du commissariat. Il y a eu plusieurs unités spécialisées qui en bas, tant qu'il y a SWAT qui en bas, il y a UTAG qui en bas, nous connaissons UDMO qui en bas, et qui donc qui est venu en enfant avec ça qui a passé. Mais tout, monsieur pas actuellement, monsieur pas seulement pour opérer dans la ville et Gantier, mais il y a plus dans la zone créée Colombier. Et bien, ça passe là, c'est dans la zone ça que l'arrivée, parce que Negro était à la fois attiré sous Blendea et qu'on groupe tout capturé sous commissariat. Et donc, ils viennent mettre la police dans une situation, ils viennent mettre dans un dilemme qui est difficile. Et bien, les policiers ont fait résistance. Et il faut que nous, doutons, monsieur Sayo, nous féliciter tout parce que nous pas de Blendea qui boule. Mais nous, la stratégie que Negro déploie, Negro fait pour capable sauver la vie. Parce que l'air tiré sous Blendea, Blendea a déboîté que n'est pas capable de déplacer, et bien, les policiers ont joué pieds et mains, ils ont désengagé pendant qu'ils ont désengagé comme ça, il y a un qui prend, alors qui a une cartouche qui passe, et qui sortit dans le camp Negro, et il prend un policier qui n'est pas grave. Qui n'est pas grave que les policiers ne prennent pas soin et n'est pas grave. Mais comme ça, tout gagne plusieurs monsieur qui m'ont tellement blessé. C'est ça que nous gagnons comme information au niveau Sinaboa. Je vous dis à là, est-ce que nous craignons. Sous l'ison. Alors, sous l'ison, nous pas de trop de détails sous l'ison. Parce que dossier ça, on ne peut pas dire que c'est un dossier qui est sensible, parce que qui s'allie. Nous-mêmes, c'est le monde que, à chaque fois que le monde qui mourit, nous n'avons pas besoin qu'on ait nationalité. Parce que Jean Mouna mourir al pas doit mourir comme ça. Il est valable pour nous-mêmes, tout boy ici qui a mouru. Je dis à là, l'éclair Juno. Lorsqu'il y a deux Américains qui mourent, lorsqu'il y a deux Canadiens, deux Français qui mourent, ou du moins, ou gagne. Deux, trois autres monde qui gagnent non en dans société. La facile pour nous, nous connaissons. Parce que la faible, c'est professeur tel, c'est médecin tel qui mourit, c'est policier tel, tout le monde connaît la faible. Mais combien de monde qui mourit par jour, que ni moi ni vous ne connaissons pas, qui pas gagné non? Que vous pas parlé de vous. Qui donc, les gens qui mourent, qui ça que nous faisons pour vous? Qui ça, est-ce que vous avez un groupe de monde qui dit, bon, mes amis, trop de monde a mouru dans la société, a, finalement, il faut que nous fassions un bagage. Donc, c'est quel que soit le monde, les pagans doivent mourir de la façon que les Américains mourent. Tout à fait. Mais, regardez réaction. Pays, il y a même plutôt quelques réactions sur les réseaux sociaux qui toujours intéressent d'abord comme journaliste et par rapport à l'information qui baille, c'est Fox News qui rapportait et comme quoi et des démarches qu'a fait là et les corps ont été récupérés, du moins ceux qui en restent, les cadavres, ils ont déjà récupéré yo. Et puis il a fait des matchs là pour mener yo bay familial dans l'état Missouri aux États-Unis et m'a regardé critique moi c'est des critiques légitimes m'a metté au bas et puis on va réagir yo fait comprendre que comme quoi et la police là mobilisée là pour aller prendre encore deux Américains yo et puis nous-mêmes lorsque nos vaillants policiers yo mouri soit là dans l'Artibonite nous avons photo 6 policiers ça bah là c'était humiliant n'a regardé encore en 2021 4 policiers qui mourent dans le village de Dieu, gens ont massacré ces images troublantes et humiliantes, et que par exemple, il y a quel effort, rien même qui fait pour récupérer le cadavre. Ça, vous comprenez de commentaires, de critiques. Et je ne pense que les critiques sont fondées, et nous-mêmes, au niveau Sénaboa, nous condamnons, nous dénonçons, nous condamnons. Et dans le commencement de l'émission, moi, je suis révélé ça. Moi, je dis que premier groupe policier que n'a été tué, il a humilié le corps.
si toutefois qu'il t'ait une réponse qui baille mon garantie ça pas jamais répéter encore parce que yo connaît que mais ça t'arrivé et s'il arrive encore mais ça capable arriver et ça il t'a valable pour n'importe monde pour n'importe nationalité que moun nan gagné qui donc en pile fois moi-même son bagage que me compte très critique envers lui-même malgré que nous connaît comment qu'a imaginer ou bien 6 policiers qui mourir dans la Tibonite ou te gen 5 policiers qui mourir dans et dans village de Dieu sans compter l'autre policier encore mourir monsieur nèg yo mourir avec uniforme sou yo dans cadre mission dans cadre travail nèg yo quitter la caillou quitter madame yo quitter petit yo pour le travail pour aller sécuriser l'autre monde et puis tout yo même yo mourir comme ça monsieur la police pas fait rien comme intervention pour récupérer cadavre vaillant policier ça yo que qui mourit avec uniforme sou yo c'est un bagage que nous toujours critiquer qui toujours fait nous mal pour qui ça malgré nous connaît que qui est-ce qui touye yo qui côté yo rentre ensemble avec yo même une démonstration pas faite pour récupérer le cadavre pour le policier ça yo c'est une raison qui fait que ouais moun yo gagne un genre de comportement ça yo genre de réaction ça yo genre de commentaire ça yo y a fait yo en quelque sorte même penser que là, nous avons gagné raison et nous même tout au niveau Sinaboa, nous toujours qu'on dénonce ça, hein? Nous toujours dit pour qu'il ça pas gagné comme opération qui fait pour récupérer cadavre policier ça qui mourit. C'est pas un plaisir non, n'ego moi avec uniforme sur dans cadre mission, dans cadre opération, dans cadre intervention. Moi je crois que je dis à la c'est nous même qui pour qu'on est qui ça n'a fait parce que même Jean Luc Cavala pour être là, il doit valable tout. Tout à fait. Parce que moi-même, mal dans ta parole, moi suivre fonctionnement trois polices dans le monde là. États-Unis, Canada, la France. Nous toujours sous page, il y a des policiers dans le pays, ça nous toujours qu'on a parlé ensemble avec eux. Moi, je vois comment ils traitent les policiers. Moi, je vois comment les policiers, même blessés, comment que ils prennent ça à cœur. Moi, je pense que les policiers qui mourent avec uniforme sur lui, ça doit interpeller responsable d'un pire au niveau. Même Jean-Jodia, il y a des notes qui sortent au niveau de la police pour sympathiser avec famille américaine ça, qui mourent. Nous vraiment souhaitons que les prêts valables, tous les policiers qui mourent, lorsque deux policiers qui mourent, que l'institution font notre sortie pour sympathiser là avec famille policier Sao, laisse ça, famille policier Sao, absente que le petit Yoa, ou bien mari Yoa, madame Yoa tap travaille de côté, même si nous connaissons que travail est difficile, mais qui Sao Baro comme valeur, mais comment que vous gérez ça? Il y a une perception populaire qui voulait que. Et à chaque fois qu'il y a un mauvais résultat, puis à chaque fois qu'il y a un mauvais travail, il est bien. Et c'est le principal monde qui toujours, le principal monde qui tout mettait en cause, c'est les directeurs généraux. Et nous vivons pareil ça, de génération en génération dans le pays, c'est toujours comme ça, les directeurs généraux qui ont mettait en cause. Est-ce que le problème n'est plus grave que ça, ou bien il est résumé en directeur général, comme quoi, sous changer tel directeur général demain, ou prendre qui est plus compétent, plus qualifié, et que tu vas avoir des résultats différents? Sans penser sur ça. Bon, moi, je pense que la Constitution n'a pas de prévoir un directeur général pour la police. C'est le commandant-chef de la police. OK? Bon. Et si vous suivez, vous voyez que. Pas quoi qu'on dit que général la police li peut-être pas qu'on aime mais est-ce que le bénéficie parce que même privilège à tout l'autre chose bon c'est qu'on débat ta fête sur ça pas qu'on est ça m'a cherché plus information mais qu'on a là c'est que nous gagnons plusieurs directeurs général qui passaient dans tête la police li clair que staff cap gérer émission boucanter la parole là. Depuis l'émission mal passée, il y a deux bagages qui ont parlé. Si tout mettait en ordre là, je parle sur lui d'abord pour voir est-ce qu'il y a boycotté l'émission ou pas. Quel que soit le monde qui dit que général la police ou bien qui est responsable de l'autre poste, c'est vous qui en charge. C'est vous-même qui en charge pour mener l'institution ça à bon port. C'est vous-même qui connaît que qui sont voulés et qui sont pas voulés pour l'institution ça. Des fois tout,
li kon ou kon ale pi loin ou même ou kon gen volonté ou wè ki sa ke ou kapab fè mais en aller au niveau l'état est-ce que l'état pas complice dans ces deux cas fait est-ce que l'état baille question sécurité à priorité parce que attention nous allons non pas qu'être l'autre pays nous ouais comment que l'état gère sécurité au pays est-ce que l'état haïtien baille priorité avec sécurité pays a je dis à là tout le monde a dit qu'il a gagné élection qu'il a faut élection fait mais ou pas qu'à faire élection sans pas résoudre problème de sécurité là ça c'est premier bagage que ou supposé résoudre là actuellement là on directeur général de la police avec équipe lui qui a toujours une volonté pour aider pays là pour aider institution là mais dans plus haut niveau là faut au moins ou garder est-ce que une volonté l'on estime que ou même ou faut analyser moi-même moi pas pral mando aller moi-même moi pas pral dit que chef tirer la révérence parce que c'est où tu prends job là c'est on qui condition que où tu prends job là qu'on a ou même ou pral garder pour oui nous sommes directeur général la police oui mais gens que m'ta aimer la police là oui me voulait ba résultat oui mais ça mandé que me pas ca journée et bien là ça c'est pour dire mon yo merci beaucoup m'te voulait aider me pas capable encore pas gen moyen gen travail pas ka joine et bien me retirer ça les ça population après que au fond acte et ça c'est moun nan ki pral konnèl ça c'est moun nan ki pral konnèl parce que pas oublier que nous en dans la police là nous sont la police là sont institution qui hiérarchisée que lié en dehors de toute norme de tout principe que nous c'est des syndicalistes en dans institution mais puis gen oublier que nous étaient policiers et nous toujours dit si n'abord pas prendre place inspection générale si n'abord pas prendre place DCPJ si n'abord pas prendre place direction générale la police qui donc bon ensemble de bagaille l'on policier ou tomber là dedans nous capable seulement veiller est-ce que doit respecter je dis là moi qui parler là inspection générale la police a estimé que bon déclaration fait qui capable cause un paquet de dégâts en dedans institution qui pas bon pour 500 institutions, hein? Les cas convoqués pour demander une explication sous déclaration que me fait. Mais laisse ça me pas parler en persécution, non? Parce que les gens doivent ça sous chaque policier en général. Donc, nous avons un contexte qui est difficile. Je veux dire, là, nous gagnons un CP qui monte, qui gagne moi, à quelques jours encore. Jusqu'à présent, nous n'avons pas senti. Nous avons une volonté vraie. Nous pas senti que bon signal que vous voyez bail population bail moun nan sud bail moun nan sud-est bail moun nan quatre pays parce que pas bien que capitale là c'est le centre là depuis c'est le centre là tout monde c'est là que yo va venir conseil de bagaille que c'est là que qui a bien fait nous yo pas sous ça nous senti que yo pas les voyez ces signal là et pas bien que yo gon lourde responsabilité qui sont sous de l'eau, c'est pas seulement arrêté pour avoir avantage par eux. Alors, on va parler de Lazare, on va parler de signal pour Negiovoye. Parce que CPA lui-même, c'est pas lui-même qui va mener l'opération pour retourner pays à non normal, pour retourner pays à non normal. Non, on parle d'une petite parole, Ismaël. Ou dit, c'est pas CPA, mais qui mission CPA? CPA, c'est eux-mêmes qui l'a pour mener pays à bon port. C'est eux-mêmes qui l'a pour mettre sûr que toute institution dans pays a fonctionné. C'est eux-mêmes qui viennent là tout, qui pour bailler signal pour résoudre problème insécurité là. Parce que si c'est pas eux-mêmes qui est, n'est pas qu'à moi-même, n'est pas qu'à moi-même parce que on pas gagner ça comme mission. Alors moi-même c'est pas eux-mêmes c'est bail institution moyen. Mais demande est-ce que la police là Lazare Lionel Lazare, ligue contrôle ça qu'a fait là. Est-ce que la police là gagne contrôle pays là? Bon, moi-même, je pense que il n'y a pas un secret pour personne. Je vous dis là, si Radio Mega, si émission Boukante la parole, a fait un micro-trottoir par rapport à ça qu'a passé là, en un pays là, on va poser une question sous la police, la claire,
il y a tout constaté que la police dépassée par les événements. Mm-hmm. Et ça que il y a dit. OK? Et donc tout le monde capable constater que la police là bon problème pour atterrir par rapport avec ça là malgré effort que yo a fait toujours gagner un problème qui existait. Et bien qu'on y a là, c'est à regarder qui côté pour problème là et puis tout pour nous résoudre avec toute volonté que un policier capable gagner, avec toute volonté que un commandement la police capable gagner, mais en allant plus haut niveau là, pour nous garder qui ça que la police l'a besoin. Parce que c'est pas seulement des policiers pour y aller dans l'opération pour la mission. Tout le pays où est que policiers senti que yon fierté pour yon travail, policiers yon pas plein, c'est parce que yon paquet de conditions qui réunit pour yon. Gen des pays, policiers a touché $200, $300 li pa ni. Raison parce que petit li à l'école, les petits li malade, li pa ki est que petit li pral l'hôpital, yon jwenn côté pour yon dormi. La République Dominicaine, l'État construit ensemble des villages pour policiers, pour militaires. Et donc là, policiers ont un souci qu'ils n'ont pas gagné encore. Les policiers vont le tracasser depuis chaque mois, chaque un an, pour venir au COB, pour le payer caille. Ils connaissent que là, l'État est en résoudre les policiers. Les policiers vont le connaître que pendant leur mission, leur opération, madame Nirele, le petit malade, qui ça a fait, eh bien, bon garanti depuis les policiers connaît que pas de moyens parce que l'État pas prend responsabilité dans la question assurance là. Ou bon assurance que yo touché sur chaque mois en pile fois à l'hôpital policier a dou consacré alors l'arrivé l'hôpital là yo dou consacré yo pas payé. Seul contrat que l'État gagne yo respecté son contrat que yo signé avec Benameuse en cas d'urgence pour policier pour madame ni pour petit prix. Donc tout l'autre côté que on policier ou qu'a décidé aller avec madame parce que ça m'a toujours prendre m'a pas plomber non inspecteur m'a pas parler avec mon inspecteur dans direction générale la police m'a pas parler question assurance ça li dit laza puis gros déception li prend les salle de gain 27 ans dans la police il dit puis gros déception le prend après 27 ans dans la police à madame na petit li premier jour décidé à l'hôpital, à madame n'a pas dit, mais elle arrive, elle dit qu'on ne peut pas prendre 4 assurances, elle n'est pas valable pour vous parce que au Fatma, pas payé. Qui gros humiliation, un policier capable de prendre, les policiers connaissent que c'est lui pour dégager, pour payer caille. Parce que le policier a payé caille même à tout le monde. Il paye et l'école lâche, même à tout le monde. Un policier en Haïti n'a pas gagné comme avantage. Il n'a pas gagné du tout comme avantage. Même là, actuellement, là, où payons policier 200 000 gouttes, il n'a pas gagné que la petite ligne. Parce que avantage pour le joindre, pour permettre que le conserver 200 000 gouttes, ça, il n'a pas joindre. Même au niveau de la voie, c'est bataille ça qu'on a fait. C'est ça qui fait qu'actuellement, là, nous avons une bataille que nous avons menée, ni Sénapoa, ni SPNH, ont ensemble des discussions qu'a fait dans la direction générale de la police ou bien dans le gouvernement. Faut que nous sous table négociation, tout faut que nous sous table juste à parler, parce que c'est nous qui avons défendu l'intérêt policier, c'est nous-mêmes qui connaissons que problème. Lorsque vous dites faut nous chita sous table négociation, sous table discussion, qui ça vous l'avez dit, Lazare? Qui ça nous l'avez dit? Nous, c'est syndicat en dans la police là. Qui donc, nous pas dit que direction générale de la police pas contre problème policier. Mais on voit nous-mêmes. J'ai l'impression que moi recevoir plus doléances dans mes policiers que direction générale de la police, que service bien-être dans la police là. Et nous recevoir dans tout niveau de tout grade en dans la police là. Mais si nous c'est syndicat en dans l'institution, si nous travaillons pour bien-être institution, pour bien-être pour policiers, pour qui ça la présidence parler shit avec nous pour nous discuter sur ça, on a besoin, ça n'a proposé pour le policier. Mais nous avons vis-à-vis, il y a un directeur général, nous avons un ministre de justice, donc il y a un budget qui est alloué à l'institution. Donc est-ce que vous avez passé en dehors de la police là, des ministres de justice là qui déjà fait partie du gouvernement? Non, mal son parole.
Ouais, nous-mêmes, nous sommes syndicats qui autonomes, qui indépendants. Parce que la Constitution reconnaît nous. Ces mêmes gens, les bons problèmes dans le ministère de la Justice, syndicats au campé, l'État chita ensemble avec eux. Les bons problèmes dans n'importe l'autre boîte, l'État chita ensemble avec eux. Les bons problèmes dans l'hôpital général, syndicats au campé. Nous-mêmes, nous sommes structurés organisés. Nous faisons partie d'une institution qui est hiérarchisée. Nous ne pouvons pas faire n'importe bagaille. Mm-hmm. Nous ne pouvons pas faire n'importe bagaille tout. Parce qu'il faut respecter ça. Il faut respecter la hiérarchie. Mais je pense que le tape de bon temps, je dis à la, il y a deux syndicats dans l'institution. Hein? Conseil présidentiel l'a monté là, il dit bon, bon, je suis avec M. Damio pour me tendre autour. Bon, je suis avec vous pour me connaître qui ça que vous gagnez comme besoin. Parce que je ne sais pas si clair. Je dis à la, nous plus qu'à aider le directeur général de la police, à qu'elle aide nous, parce que nous plus qu'à faire pression sur l'État. Ça ne va pas commander nous-mêmes, nous qu'à exiger, nous qu'à demander, nous qu'à demander aux policiers pour regrouper eux, pour nous demander ça. Nous plus qu'à faire. Parce que le directeur lui-même, parce que lui est là dans là, il n'y a pas qu'à parler, mais nous-mêmes nous qu'à parler. Nous-mêmes, nous commandons, nous exigeons, nous constituons en équipe et plutôt pour nous demander. C'est ça qui fait que je dis à la bataille, ça n'a fait, nous pas qu'un syndicat en dedans. Il y a une institution, il y a un directeur général de la police, c'est vrai, il y a un ministre de justice, c'est vrai, mais est-ce que vous chitez ensemble avec nous tous? Est-ce que vous parlez ensemble avec nous tous? Même si vous parlez ensemble avec nous, d'ailleurs, j'aime d'où là, l'État reconnaît nous à travers le ministère des Affaires sociales. Toute exigence que l'État mande nous respectons. Donc, nous devons demander rencontre avec CSPN, nous demander rencontre avec le gouvernement parce que nous sommes une institution qui est indépendante. Parce que ça n'a fait, c'est bataille, notre bataille pour intérêt pour les policiers. Notre bataille pour nous que nous avons la police côté que les policiers, l'aile sur le travail qu'ils font, côté qu'ils sont capables de reposer. Nous avons besoin de la police côté l'État assume les responsabilités que. Bon ensemble de logements que l'y fait pour policiers. Nous voulons que bon syndicat côté, nous voulons que bon la police côté, que policiers qu'on est même dans la mission, petite ni malade, madame ni malade, que l'y capable de jouer n'importe l'hôpital pour l'aller. Donc c'est travail ça que l'a fait, avec tout respect normio, avec tout respect hiérarchie, avec toute discipline que nous devons faire ça marcher, parce que c'est pas parce que ou sont syndicalistes, ou fait partie de un syndicat, ou pas respecter le directeur général de la police. Ah non, c'est pour respecter. Nous avons toujours parlé, nous avons toujours défendre. Le respect, c'est pour gagner. Il faut respecter l'inspecteur général en chef là. Commissaire qui est dans le commissariat, qui est responsable, ou doit gagner le respect. C'est pas parce que vous mettez pour bien-être policier, pour intérêt policier, et puis tout, vous mettez sous côté tout principe, et puis tout pour frapper. Non. C'est pas ça que lié. Nous, au niveau Sénapoa, notre travail, nous disons policiers, nous mettons compter sur nous, nous mettons quoi dans nous, et nous avons représentants nous dans tous les départements et pays. Et donc, nous continuons de travailler parce que la police que nous voulons, la police que nous besoin, faut que nous gagnions, faut que nous avons la police qui est équipée, faut que nous avons la police qui est côté que commissariat. Équipé commissariat ou gen moyen. Et son bagage que nous te toujours qu'on a dit, renforcer commissariat, eh bien c'est pour ne pas perdre grecier. Renforcer commissariat, c'est pour ne pas perdre cafoyo. Bon. Renforcer commissariat, c'est pour ne pas perdre quoi des bouquets. Parce que immédiatement que vous renforcez, ou bah un matériel, ou bah un moyen, vous êtes capable de camper pour mais en attendant que l'enfant vienne. C'est parce que ça, yo, l'État va t'assumer responsabilité yo, qui cause que je dis à la. Parce que je vous on bagaille peut-être pour nous, pas qu'on est combien de temps. Oui, nous allons finir, nous justement de où, puisque nous avons un nouveau pouvoir, quand même, nous avons une compétition, nous avons une bataille, nous avons une lutte pour venir un nouveau DG. Mais il y a un pile de monde qui est passé dans le dos, l'autre DG, ou quoi, si DG a échoué, moi, quoi, commandement là pour nous aller composer des directeurs généraux, inspecteurs généraux en chef, et puis des CPA. Mais nous avons toujours voulu faire. Ouais, Laza, c'est déjà qui échoué, état-major n'a pas échoué. Bon, moi, je pense que
de toute façon, physique n'est pas pa plus le monde que le directeur général. Là. Parce que c'est le même. Andy, par exemple, ou considérez, ma par exemple, parce que c'est lui-même qui l'a, ou dit LB c'est lié échoué comme directeur général de la police. Mais est-ce que dans le commandement LBA, même ou qu'a choisi l'autre monde pour mettre en tête institution? Bon, et je pense que la question n'est pas difficile. Parce que quelle que soit la façon, je vais jouer un monde quand même pour mettre comme directeur général. C'est ton équipe. C'est, mais qui semble? Andy. Ou dit bon, LB échoué. Mais ce qu'on a les fonds de Mathieu. Bon, qu'on y a là, en nous, en gardé, pendant Franz Mathieu. Oh, moi, pour Franz Mathieu, son exemple, ma preuve. Oh, non, la police là, DCPA, c'est motte institution. D'accord. Mais qu'on y a là, en gardé, qui s'albaye comme résultat tout pendant que l'IDCPA. C'est ça, oui. Pour nous garder. Parce que qu'on y a là, en plus, mon a dit bon, si. Si LB échoué, c'est tout le monde qui a l'entour là, qui t'a dû échouer tout. Mm-hmm. Alors, moi, pour LB, je dois prendre Miguel Ange Deon, je dois prendre Léon Charles, je dois prendre n'importe directeur général qui passait là. Ok? Je dois prendre n'importe, tu as dit, si tête là, parce que tête là, il n'y a pas d'opération, ça permet de DCPA, même si en pile fois, DCPA, c'est pas le directeur général là qui toujours nommé lui, et c'est, il y a toujours en pile fois, c'est des choix politiques. Donc, on DG qui échoue, c'est toute équipe qui t'a avec là qui échoue. Bon, même pas, c'est que l'État supposé comme ça, parce que, les grandes équipes qui aux alentours, peut-être c'est des conseillers que les gagnent. Même chef cabinet échoué tout, parce que chef cabinet a pile fois, c'est pas fait suivi dossier, oui. Bon, moi je pense que au niveau de la police là, Jean lié dans le gouvernement, c'est pas comme ça lié au niveau de la police là. Quand là, pour t'a dit monde ça a échoué, c'est à retirer tout net pendant que ou après tirer directeur général la police là, ou la police là, il pas demandé ça. Donc, ou après que deux premiers monde qui parlent dans l'institution, souvent, les officiellement directeur général de la police, c'est directeur général de la police avec inspecteur général en chef là. Donc c'est deux premiers monde où souvent les gains changements, c'est eux-mêmes qui font en dans la police. Parce que même si le directeur général n'a pas là encore, mais toute équipe qui est ensemble avec l'IA, il y aurait été policiers, il y aurait été des monde qui font partie de l'institution. Qu'on y a là, c'est à nouveau directeur général de la police qui va venir, hein, ou bien qui venir, hein, qui peut-être pral connaît, les pral faut analyse pour le voir que est-ce que la vine avec équipe parle, ou du moins est-ce que la vie la prend ensemble de monde qui était bon côté DG, qui était là, mettez ensemble avec. Et donc, c'est comme ça que moi, je comprends. De toute façon, moun sa y a toujours resté dans la police là, y a toujours fait partie de la police là, mais ça qui arrivé, nouveau directeur général là, ça qui arrivé lui-même, il vient avec moun parle parce que y a toujours dit comme ça que chaque la rivière descend avec pour les sables. Comment on doit faire choix en nouveau DG s'il a changé? Comment on doit faire choix ça? Ou dis-moi, on dit CPA dit bon, nous décidons d'appeler Franz LB, qui ça doit changer la Kaili? Bon, comment pour faire choix en directeur général de la police? Alors, dans la loi qui crée la police, là, dit que pour faire choix en directeur général de la police, on va choisir parmi commissaires divisionnaires qui en fonction. Yo. C'est comme ça, loi dit. Bon, c'est ancien président Jovenel qui t'a fait des autres. Elle t'a choisi pour ancien DG Léon Charles 15 ans après, vin directeur général de la police. Et donc ça, c'était un des autres qu'il était, qui n'a gagné pour encore avec question de la police. Bon, on a dit que si toutefois que le conseil là, t'a dit bon que il n'y a qu'un BLB. Bon, moi-même, conseil pas m'a parlé, conseil là, t'a dit qu'il n'y a qu'un BLB, c'est garder autour de lui son changement net. Garder autour de vous, ça caïdo, rete, ça pas capable de résultat, changer yo, remplacer. Ensuite, amener du courage pour imposer yo, pour dire monsieur CPO,
on pas de problème que nous voulons conduire, nous voulons qu'un bel 1, 2, 3, 4, mais ça me besoin. On va 3 mois, on va 6 mois. Attends, moi, pas comblé, je vais remettre démission. Parce que je dis à la, en pile nègre, qui prend pour ça, il souvent pas de courage pour parler avec le monde qui choisit, pour parler avec l'équipe qui choisit, parce que faut qu'on mette président qui choisit là. Faut mettre premier ministre qui choisit là. Non, situation côté que vous mettez non, une situation difficile pour dire 1, 2, 3, 4. Oui, j'ai besoin pour ça. Oui, mal prend pour cela. Mais faut me poser condition tout. Je ne peux pas rentrer dans un poste parce que j'ai besoin. Et puis tout pour pas des conditions qui posent. Parce que pas bon monde qui t'a mis échoué. Non, ça l'a fait. Alors, il y a un policier qui écrit là, Lazare, il dit, directeur général, toujours choisi parmi les directeurs départementaux et puis les directeurs centraux. Bon, effectivement, bon, commissaire divisionnaire, c'est un d'abdou qui donc, t'as dit commissaire en fonction. C'est commissaire divisionnaire. Mais il y a des côtés, je me rappelle, mais lorsque il était directeur départemental, c'était inspecteur principal qu'il était. On a parlé de Guy Philippe. Mm-hmm. Lorsqu'il était dans le Nord, je crois que c'était inspecteur principal. C'est un CP. Alors, même commissaire principal. Guy Philippe, l'élite responsable d'Elma, c'est commissaire municipal. Mm-hmm. Mais okay. On a choisi quelques directeurs départementaux comme inspecteur principal, c'est ça? Non, directeur départemental, yo, c'est toujours commissaire. Divisionnaire? Qui est OK. Ok. Vous comprenez ça tout? Qui est directeur départemental, yo, ça qui arrive, bon directeur départemental qui CP, le KKMB, en attendant, soit le global gadla. Ou bien ils vont l'autre monde remplacer, mais souvent c'est toujours, et pas souvent non, c'est monde qui commissaire divisionnaire qui directeur départemental, et les gens qui doivent garder dans 10 départements ou dit bon, si ma font choix, ben me garder qui est-ce qui peut bien travailler, qui est-ce qui a plus fait confiance, qui est-ce qui est capable de prendre là qui peut venir directeur général. Mm-hmm. On fait exercice ça pour me fermer Lazare, si CPA part a décidé Kimbe et Franzelbe, certainement c'est travail qui pourrait le prouver ça. Qui est-ce que Kavin là? Bon, moi je suis Bakababdo. Bakababdo parce que travail là. Mais nous avons revendication, nous avons revendication nous. Hein? Nous avons revendication nous. Oui, nous gagnons. Alors où on est Kavin là qui a une revendication pas nous? Non, je ne pas dire ça. Je ne pas dire ça parce que je ne pas dire ça. Vraiment, on a fini. Peut-être qu'il y a un monde qui a un droit, pas mal comprendre ça, mais je ne dis quand même. Parce que, bonjour, en dehors de travail, sécurité à qui lui fait, que tout le monde a besoin, la population a besoin, il y a un plus gros bagage que la population attend, c'est résoudre le problème insécurité. Il n'y a pas besoin de connaître qui l'autre problème que la police a gagné. Il n'y a pas besoin de connaître qui l'autre problème que les policiers ont enduré. Les mêmes celles qui ont besoin, pas là, pas là, pas la sécurité, pas là. Même pas de bagaille. Chaque administration LBA, on pas qu'il y a des bagailles que l'on fait, qui n'a pas rapport avec la question opérationnelle qui allait à l'encontre de. Intérêt policier. Moi, je clair que nous n'avons pas n'importe quoi avec comme problème. Je critique les pour nous critiquer. Je dénonce les pour nous dénoncer. Et je encourage tout pour qu'il y ait plus de bagailles qui fait. Et donc, les par exemple, quand il y a un monde qui n'a pas dit bon, ça va suffire. Un policier, chaque 3 mois, dès qu'on a touché, et 22 250 gouttes comme. Prime de risque chaque 3 mois, qu'elle soit unité spécialisée. Actuellement, là, un policier a touché 81 000 gouttes chaque 3 mois comme prime de risque. Ça nous a parlé de lui. Longtemps, l'on policier mourit, même les mois avec uniforme sous lui. Depuis le fin de mourir, l'établi. Un décret qui sortit qui dit que de fixer chaque policier qui mourit peut-être gagner un exercice fonctionnel.
mais qui ça que l'État réservé pour lui. Si le policier a un cas d'opération, il prend balle, il pas le travail, pendant un temps, eh bien, il y a indemnisé pour le policier. Donc, il y a un autre bagarre là qui fait sur question retraite en dedans institution. Côté que les policiers prennent retraite, ils ont 36 mois de salaire qui est à Bali, ils ont 4 de retraite qui est à Bali, ils ont amené à Vietnam, la bonne uniforme. Tout ça, c'est sous commandement Franz LB. Oui, donc ça, c'est des bagarres qui ne pas gagner. Qui vient gagner? Mais qui sa policier ou même yon fait? L'enjeune tout ça comme gratification, comme privilège, qui ça nous fait nous-mêmes pour payer? Non, mais Mbaldou, faire pile fral va dépendre de nous. Je dis à la, Mbaldou, un groupe policier pas qu'à décider yon pas le village. Un groupe policier pas qu'à décider yon pas machine yon pas le mener opération. Faut gagner l'autre, faut gagner commande. Ou pas qu'à décider de faire comme ça. Donc, malgré que le bail est difficile, les policiers continuent à travailler. Il y a des bagages qui ne sont pas faits. Je ne veux pas que le monde comprenne que ces policiers pour produire sont pas qu'être nuls, sont pas qu'être monde qui n'est pas capable. Donc, les policiers ont découvert le travail, li aller. Les policiers ont planifié l'opération, les policiers ont aller, le pape doit le pape aller. Mais quand on a un pire au niveau, pour nous garder. Est-ce que toutes conditions réunies pour policer ça à la mission, à l'opération? Ça arrive que une opération faite, il y a un chef qui prend la donne. Ça, il existe. Mais quand il y a là, ce n'est pas que les policiers qui ont une volonté, qui a travaillé, qui veut travailler. Mais est-ce que l'État, dans le pire niveau à lui-même, il a une volonté pour combattre l'insécurité qui est là? Parce que, ouais, suivre pour Sam Abdoula là. Gardez pour eux. Si toutefois, il y a un travail qui a fait là pour permettre que l'élection organise dans le pays. Il faut qu'il y ait une volonté. Tout ça qui vous fait, il faut qu'il y ait une volonté dans le plus haut niveau yo, pour être capable de faire. Si à ce moment vous avez choisi, le premier ministre a fait. Il a fait parce que il y a une volonté pour ça. Pour vous faire, même bon garantie, si vous voulez prendre moi là encore, vous pouvez créer n'importe quel bagaille pour montrer que il y a des problèmes qui empêchent que vous choisissez pour être mis ça. Les policiers sont capables, vous pouvez travailler, vous voulez travailler, vous avez volonté, mais nous-mêmes, nous avons toujours dit que faut que l'État renforce les capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti. Font bien gérer matériel que nous avons gagné autour et puis pour font diagnostic de capacité que M. Negadzam a gagné pour nous que qui quantité force que nous allons utiliser en face de M. Zahou. Et bon, le débat en combat, c'est que nous avons gagné pour nous. Merci un peu, Lazam, je suis content de parler avec vous. Merci un peu. Merci beaucoup. C'est ton plaisir. D'accord. Nous avons parlé avec Lazare. Lionel Lazare, Junior Jean-Baptiste, nous étions très longs. Oui, nous étions très longs. Oui. Nous étions très longs. En pile parole. Bon, nous obligés, parce que le pays a c'est salé, il faut entendre des mounions. Tout à fait. Parce que nous obligés d'entendre des mounions. Bon. Et nous avons parlé là avec Walson Sanon. Mm-hmm. Et sous question CP, sous la servite net, oui. La fonti va qui va le son ça non sous question CP choix et nouveau premier ministre là comment mais c'est pas rien tout le temps devant nous faut qu'on ça non il va rien 10 ans il va rien 10 ans il va dire on petit temps tout limité parce que il dit a fait élection pour payer à tout dans normal dans processus normal politique là il va tête yo c'est faut nouveau président rentrer dans palais national 7 février 2026, c'est que vous dégagez au centre encore, c'est eux-mêmes qui font une élection crédible, honnête, c'est eux-mêmes qui passent, c'est eux-mêmes qui prennent le pouvoir, et oui, vous entendez, mais il faut un nouveau président, 7 février, c'est ça, CPA, by Tetli et comme mission Gino Jobatis. Nous allons parler avec Walson ça, non, puisque demain, information que nous avons dit, Gino Jobatis, une possibilité. Et pour CPA organiser souvler une préélection. Dans la préélection, ça, il va éliminer deux candidats. Il va éliminer deux candidats. Et dans deux candidats, il va éliminer. Bien,
tomber, il y a trois qui pourra aller dans la course là, et c'est dans trois dans la course là, il pourra le faire et il pourra choisir. Par consensus. Oui. Pas votre 5 sur 7. 5 sur 7 là, parce que incessamment, arrêté à supposer publier. Sous question décret, sous fonctionnement conseil présidentiel là, les deux publiés. Où saute feu tout à l'heure, il y a un commencement d'émission, et CPA, pas de temps pour perdre, ok? Radio Miguel. Je ne sais pas si je CPA. Ni vous-même, ni moi-même, je suis dans le livre, mais écrit, je me rapporte. Nous sommes habitués avec des générations de parlementaires ici qui ont marchandé toutes les bagailles, qui ignorent les fonctions, qui ont fait l'argent, qui ont fait pour devenir. Dans le choix pour l'émission notamment. Nous avons commencé à faire dans le Parlement pendant 20 à 30 ans là. Je ne veux que CPA voie image que son petit parlement en miniature sans les parlementaires. Côté ces combines et coups qu'a fait. Et pour empêcher perception ça dégage dans CPA Palestin, perception de combine, de coups de tractation politique pour partager pouvoir, CPA a seul bagaille. La transparence, explication. Sous sa fait et bien communiqué. Bon, comme je parle de porte-parole, et porte-parole là, je dis où qui est-ce qui est capable de bien. Il y a plus d'exigence qui fait lui-même tout pour le vin porte-parole conseil président, vous conseil la parole? Et présidentiel de transition. Nous parlons avec Walson Sanon, des solides et qui sont gros structures politiques, un gros mouvement politique dans le pays. Walson Sanon qui gagne et position ligne. Et il n'y a pas changé de position, même si l'on a bataille Junior Jean-Baptiste, vous côté où vous voulez aller, sous pas qu'à aller là, mais si vous avez fait, ou à vivre, son entrepreneur, c'est un acteur politique, avez dit ou oublie ou gagne mot pas ou pour dire dans tout ça qu'a fait dans la société. Walson Sanon, bonsoir, merci parce qu'on est avec nous, on a beaucoup la parole. Bonsoir Ismaël, bonsoir toutes fidèles auditrices et auditeurs pour canter la parole. Bien content à soi, nous avons une opportunité pour nous faire parler sur la situation pays. Alors, ça me fait plaisir et je suis disponible à vous. D'accord, merci, nous pourrons parler. Ben, nous avons rentré et comme ça, nous avons suivi l'actualité. Je dis à une question pour le pays, au Premier ministre, conseil présidentielle de transition. Hein. Je vous dis, a fait exactement un mois, deux jours depuis M. prêté serment, si vous voulez, gouverner PIA, Lina Meo avec l'équipe des missionnaires là. Comment vous avez observé, comment vous avez suivi, bon côté par où, évolution, processus pour arriver, aboutir à un prochain Premier ministre et dans ce semaine ça. Bon. Moi préoccupé et moi à suivre événement pays avec un peu d'intérêt parce que moi son acteur et moi c'est un citoyen donc les soubresauts le haut et le bas du pays me concernent donc normalement m'a regardé ça qui a fait yo et mais par contre ça qui a un rapport avec soit choix premier ministre ou CPA position, j'aime de vous dire, qui n'a pas changé. Et peut-être, je vous dis, ça qu'a fait là-haut, il n'y a pas beaucoup étonné, parce que jusqu'à présent, les noms gardés nature CPA, j'en constitué, hein, et les noms gardés tout mécanisme en route que monsieur prend pour choisir Premier ministre. Hein. Donc, clair que nous avons rentré dans une sorte de patinage et qui est presque normal parce que on gagne plusieurs clans, plusieurs groupuscules à l'intérieur de CPA et on gagne plusieurs groupes d'intérêt tout. Donc le Sahara, dit pas toujours difficile pour arriver faire un choix autour de toute objectivité en fonction des critères prédéfinis. Donc nous-mêmes nous croyons que aujourd'hui, situation en lit encore difficile. Et demain matin, la beaucoup plus difficile pour ces pays arriver vraiment choisir un premier ministre en fonction de même propres critères que eux-mêmes ils ont été préétablis. Et nous senti que ils ont passé à côté de eux-mêmes. Jusqu'à présent, les maps gardent des résultats. Quantité mon ils dit entre guillemets qui éliminé. Parce que ou bien ils ont pas répondre à nom. Et maps gardent quantité mon ils ont qu'un autour.
sous prétexte que moun sa yo répond à nom yo, c'est vraiment un véritable contrastement enragé. Donc, à suivre avec un peu d'intérêt et en fait, de manière, comme tu as dit, ou très intéressé à ce qui a passé là. Est-ce que tâtonnement sa yo, ensemble de tâtonnement sa yo, que CPA a montré la face de la République, c'était prévisible? Oui, c'était prévisible parce que, Bamzo, Jean CPA les constitué, hein, c'est normalement image de tout ça que le pral prend comme décision. Nous clair sur ça, parce que nous pas nous déterrer déjà dans Jean ou essayer ou mais autour d'un mandat de 2 ans de transition, ou ouais, pas qu'à entendre pour choisir un dirigeant, nous fragmenter le chaque point de morceau, c'est même bagarre. Le pour y choisir premier ministre, tout c'est encore les mêmes intérêts, parce que gain intérêt parti yo, gain intérêt clan yo, et puis gain d'autres intérêts qui connectent par rapport à monde qui supporte yo. Donc ensemble d'intérêts ça yo a gagné Haïti là-dedans yo. Donc l'arrivé là, la pral toujours difficile pour choisir un premier ministre, parce que chaque groupe yo a plus un ou à mettre 9 premiers ministres, même d'avoir un premier ministre. Donc, il vient créer une base de marchandage, côté que nèg fait corruption, nèg a fait marchandage, nèg qui prend l'argent à droite à gauche, et nous tendons, et il y a un peu de bagaille qui a dit sur les réseaux, il y a un peu de bagaille qui a dit dans la presse, et nous gardons la communauté internationale à réagir par rapport à certaines ambassades, notamment l'ambassade des États-Unis, où c'est que et normalement, nous avons un véritable galimatia que nous ne pouvons pas raconter comment pour nous sortir, parce que puis au marais. Est-ce que vous pensez que CPA a un risque pour venir davantage fragilisé dans la question du processus de choix de premier ministre là? Pour moi-même, nous déjà fragilisé. À nous garder. Nous-mêmes, nous sommes des Haïtiens, des citoyens haïtiens, et nous gagnons une liste monde qui était portée au candidat. D'ailleurs, c'est une honte. Pour choisir un premier ministre, nous avons 200 candidats environ. Ça, c'est déjà un acte qui montrait aux yeux du monde entier. Nous pas aimer pays, nous pas contre ça, nous voulons. Son équipe monde qui a boumé pour espace pouvoir. Par rapport à une situation aussi maloue que nous là-dedans. Ça, c'est une deuxième bagaille pour comprendre. C'est que les gens qui ont éliminé, sous qui critères aussi ont éliminé, par rapport à ensemble de critères qui étaient prédéfinis. Il y a un paquet de gens que nous connaissons, ces deux gens, pour la plupart, il y a un peu de mal à reprocher, ça qui a un rapport avec peut-être implication dans des bagailles ou bien et passé politique. Mais ces deux gens, tous qui ont une certaine histoire et qui ont certaines compétences. Les gens gardent tout. Moun yo dit que yo kembe dans la dernière réunion. Ce qui base que ou selecte moun sa yo par rapport à moun ko rejete yo. Son bagay grave. Et tout moun ko rejete yo, 95 moun si nous prenons pour ça, parce que yo dit il y a 5 moun qui rete dans la dernière réunion. Mais c'est 95 moun qui pral rentrer en contestation et qui pral gagner un droit pour yo contester. Parce que les regards critères prédéfinis et mon yo choisi en fonction de qui critères que vous choisissez l'une par rapport à l'autre. Donc, c'est payant déjà pour moi-même passer à côté de peut-être possibilité pour le sauver tête libre. Parce que seule chance que le gagné pour te sauver tête là, c'est arriver choisir un premier ministre, un monde qui peut-être intègre, un monde que la société n'a pas reproché grand chose, et un monde qui gagne, qui est capable au moins créer équilibre là. Donc, nous, pour moi-même, je passe à côté déjà pour moi-même. Et, mais vous croyez que vous êtes capable de racheter aussi? Yo choisi un premier ministre par consensus qui m'aurait pas dit gagne pile moun là qui gagne pile zam dans 5 moun qui rete yo que yo choisi yo qui gagne en pile zam qui gagne pile compétence qualité pour yo mener transition ça, mais si que membre CPO choisi meilleur profil là, c'est-à-dire un profil qui capable provoquer moins de contestation, moins de protestation dans mitant différents groupes politiques, groupes économiques, et ce n'est pas quoi que y a réussi Paris. Ouais,
tout au moins c'est ça que tu as supposé. Mais par contre, les non-tendés, bien entendu, c'est des choses que n'ont pas gagné moyen pour nous peut-être vérifier. Yo. Ensemble d'allégations autour de Jean Nègre choisi 5 derniers mondes qui étaient yo, déjà, nos parties sont bases et pour moi-même problématiques. Mais par contre, si yo t'es arrivé, gain capacité pour transcender, pour t'as choisi, dans mes temps 5 mondes qui étaient là, mondes qui plus honnêtes là, mondes qui plus intègres là, mondes qui capable peut-être gain capacité pour jouer rôle en premier ministre et qui pral prioriser intérêt pays là, intérêt, je m'étais dit, masse défavorisée au détriment de petits intérêts mesquins. C'est pas un homme qui pral vendre des espaces, c'est pas un homme qui pral dans la course au dollar. Le SAM garantit à bien possibilité pour la société, hein, tout au moins continuer à CPA un minimum de crédit pour continuer dans l'œuvre. Mais si on pas fait tout, pour moi-même, je pense que ce serait inévitablement leur fin, parce que nous pas capables peut-être de gagner dans la situation ça encore par rapport à tout ça qui passe en deux pays. Ouais, son ça non, on t'a dit à l'heure, ou même comme acteur politique ou comme ça, et pays habitué à des générations de parlementaires corrompus, qui vend vote, qui fait l'argent, n'a mette premier ministre. Je dis, qui ça pour CPA fait, pour CPA éviter, voyez ma opinion, une image comme ça? Bon, pour CPA, nous sommes dit là, c'est peut-être même question, hein. Nous sommes dit là, c'est capacité pour yota gagner, pour yota choisir, monde que yota choisir, hein, en fonction de critères que yota. Dans la transparence. Dans la transparence. Et dans la transparence, yon moun tout, nous tout connaît. Par exemple, quel que soit le monde que yota choisir là, nous connaissons l'histoire chaque monde. Nous connaissons ça chaque fois. Peut-être par hypocrisie, ou bien par peur, ou bien par possibilité pour défendre des petits intérêts. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas candidats, mais nous tous connaissons tout le monde qui est là, nous tous connaissons l'histoire, tout le monde. Parce que les pays sont pleins, tout le monde qui est là, ils vont passer. Qui va son salon campé et structure politique que vous représentez? Moi-même, structure politique que moi-même me représentez, lit autour de nous prioriser. Si CPA choisit un monde qui intègre parmi les gens qui sont là, nous-mêmes nous supportons. Mais par contre, nous sommes toujours critiques par rapport à l'agence CPA constituée, hein, qui fait que nous sommes encore sceptiques parce que nous disons formule ça qui est dans tête pays, hein, n'est pas capable de transcender, n'est pas gain assez de moralité, assez de capacité pour permettre que nous arrivions à choisir nous, premier ministre qui était. Mais si ça arrive, fait, n'a supporté le premier ministre là et n'a continué non seulement critique, mais au moins supporter chaque bonne action CP. En fait, parce que nous-mêmes, ça qui est important pour nous, c'est de permettre que nous arrivions vers les élections pour choisir un groupe qui pour prendre le pays en main. Parce que crise nous là-dedans, là, pas gain l'autre champ pour nous sortir là-dedans, que à l'élection pour nous choisir de dirigeants qui sont capables de prendre responsabilité pays. Qui figure qui intègre dans cette sécurité? Qui figure qui intègre? Bah pays à nous. Est-ce qu'on a cité nos 5 mounes à vous? C'est Gary Conny. Gary Conny. Rodolphe Joazil. Rodolphe Joazil. Fritz Belizer, ingénieur Fritz Belizer. Fritz Belizer. Agonome Paul-Antoine Bien-Aimé. Paul-Antoine Bien-Aimé, mais il n'y a pas de Agonome. Je connais Paul-Antoine Bien-Aimé. Yeah. Didier Alix Fusemé, secteur privé. Ando, si nous permettons, moi, dis un mot sur chaque monde, m'abdil. Nous permettons tout ça, guettant. M'abdil, honnêtement, pour aider pays et aider CPA au moins à sauver tête. Premier bagaille, moi-même, on est un coup Gary Conny. C'est une figure que tout le monde connaît dans le pays. Qui était premier ministre déjà, qui a une histoire. Et nous connaissons tout des deux Gary Conny. Il y a un mandat que la justice haïtienne te mette derrière. Mandat levé. Israël du mandat levé, monsieur Sano. Mandat levé, sous qui base que levé, qui est-ce qui levé, qui. Pas connaît. Alors, nous, nouveau que... juge qui a traité de dossier, mais confirmé, mandat levé. Bon, ça a toujours arrivé,
rapport de force. Les un juge mettait un mandat sous un citoyen parce qu'il est soupçonné ou bien il y a un problème quelconque, ou changer juge là pour au moins ou capable de lever mandat ça, nous avons un peu le point d'interrogation devant. Mais il faut me dire tout, citoyen ça automatiquement tout les fragiliser. Ça c'est une, pas un problème avec ça. Peu importe, parce que c'est la justice qui décide. Deuxième bagaille, c'est que nous connaissons tout Gary Kony qui fait partie de groupe que je ne vous dis qui mène un pays à côté de là. Parce que bon, attendez, nous avons une histoire là, c'est hiérarchie là. Que à tort ou à raison, une quantité de bagaille qui dit complicité, les Clinton dans détourner de fonds en Haïti, c'est bagaille qui connaît de tout le monde. C'est que nous pas amnésique, nous oublions avec trop de facilité. Parce que moi-même, pas un problème personnel avec Gary Kony, non. Mais la perception, et tout le monde fait connaître que c'est international, là, c'est Nations Unies qui propose le bien capé, c'est imposé pour venir premier ministre pays. Moi-même, ça a dérangé. Parce que moi, je connais qui s'est passé, qui côté gang yo sorti. Nous connaissons l'histoire Lalim, Hélène Lalim, représentant Nations Unies en Haïti. Nous connaissons l'histoire. Et Madame Sisson, qui c'est ancienne ambassadrice et États-Unis en Haïti. Donc, on peut rater la fin de mon signe. C'est toute une quantité de monde. On garde un deuxième monde dans l'isla avec vous, et rapidement, Paul-Antoine Bien-Aimé. Paul-Antoine Bien-Aimé, moi-même, je connais comme un ancien ministre de l'Éducation nationale, ancien ministre de l'Intérieur. Moi, je connais Paul-Antoine comme un monde qui intègre. C'est un homme qui peut-être parle en course au dollar, ou qui peut-être dit tout ce qu'on voulait de lui. Est-ce que, je voulais vous dire, c'est peut-être pour moi-même, c'est l'homme idéal qui peut avoir un premier ministre. Hein? Est-ce que l'intégrité, hein, c'est lui-même suffisant pour permettre que, ou peut-être faire face à un gros chantier ça? Mais pas qu'on est. Mais moi-même, je n'ai pas grand-chose à reprocher à Paul-Antoine Bien-Aimé, non seulement par rapport à son histoire, passé lui, mais pas qu'on a acquaintance lui avec peut-être d'autres secteurs. Mais un fait incertain, je vis ce pauvre homme, moi où est lui, moi qu'on est peut-être et en pile bagaille de pendant que j'étais ministre et intégré et pendant que j'étais ministre de l'Éducation nationale. Et je pense que c'est tout. D'autres personnes encore. À nous prendre par exemple Alix Didier Fils-Aimé. Moi, je connais Alix très bien. C'est un ancien candidat et vérité Sénat, dans l'Ouest. Vérité. Son nègre peut-être un homme de bon commerce. Son jet le même. Mais par contre, les tout, moi, regardé ensemble de critères qui étaient prédéfinis pour choisir le premier ministre. Non? Est-ce que et Didier Fils-Aimé connaît assez l'ouage administration publique là. Parce que il y a un véritable problème qui est posé là. Loi sur fonction publique, là, nous avons quantité de monde qui est victime de lui. Chaque fois que nous entrons dans l'État, nous sabotons l'État. Nous retirons le monde à droite à gauche, soit pour mettre famille, soit pour mettre des amis, soit pour mettre acquaintance. Ou besoin d'un homme qui gagne capacité ça tout qui pour permettre que tout au moins l'État ou capable de commencer à créer un minimum d'équilibre dans le mode de fonctionnement de l'État. Donc je voulais vous dire, il faut un premier ministre qui tout au moins connaît ouais, l'administration publique là. Donc moi-même, en dehors de Faïsa, moi je n'ai pas de problème personnel à Samte Kadi. Didier que je connais, c'est un monde qui peut être un homme de bon commerce, on dit le même, j'ai même dit tout à l'heure, qui peut être connu sous scène politique là. Ok, Fritz Bélizet et puis Jean-Olof Loisy. Fritz Bélizet, c'est un ancien ministre et Lavalas tout, et pas Lavalas non, et René Préval, bien entendu, qui était ministre sport, ministre travaux publics. Moi, je connais Fritz Bélizet dans ce sens-là comme un monde, tout le monde qui a une certaine expérience en dedans l'État. Ça qui a un rapport avec intégrité, est-ce que c'est un monde qui intègre? Moi, pas connais. Et en fait, est-ce que c'est un monde tout qui de ramification? Parce que il y a un bagage qui est important que nous devons sauver le pays. Complicité avec
gang gangster qui menons la soirée là aujourd'hui, hein, mais parce que c'est important pour nous peut-être mettre des gardes fous par rapport à la question ça. Moi connais Fritz Belizère à niveau Samson dit là, mais je pas connais à quel niveau qu'il est intègre, pas vraiment. Choisis et puis qui est dans ce que nous avons fait présentation de là qui est capable de faire un bon PM pour le pays. Moi-même, Abdou, honnêtement, sans être partisan, et si je regarde en termes de profil, moun peut-être qui a plus ou moins gain et fonds gestion rationnelle, de minimum de fonds de l'État, de fonds publics, de tout ça pays à gain, qui peut-être pas prendre la course au dollar, chercher peut-être pour plein coin, ou bien pour occuper petit femme à droite, à gauche, pour gaspiller, et m'te ka dit, même gens avec le régime PHTK, moi-même m'estimer l'homme qui t'a supposé idéal, c'est d'abord Antoine Bien-Aimé. Pour moi-même, je le dis franchement, ça me dit, elle n'est pas engagée ni anti-tennis, tout ce que m'appartenait à lui-même, non, il est engagé peut-être position citoyenne. Moi. Donc, mes pensées, sous besoin au monde, peut-être, qui plus ou moins t'a capable de jouer rôle, ça, vous n'avez pas dit, en fonction de l'ensemble de critères prédéfinis, il n'est pas capable l'autre monde que pour Antoine Bien-Aimé. Merci un peu, Watson Sanon, décompte à la voix. Merci un peu. Partagez, je vous en prie. T'as parlé avec Walson Sanon avant de proposer là, Juno Jean-Baptiste, et ben moi, vite, lui communiquer ça. Secrétariat général parti Résistance Nationale pour sauver et souveraineté et identité peuple là. Principe content pour annoncer spécialement la presse et l'opinion publique nationale, tant coup international là. En général, gros décision parti en prend. Dans l'idée pour renforcer capacité. Comme ça, dans la date qui était 27 mars 2024, Jean Maman Loi partit. Dans l'article 16, il privera ça. Une assemblée générale extraordinaire t'est réalisée. Une façon pour te prendre des coquins chaînes de décision qui écrit noir sous blanc dans le procès verbal assemblée générale. D'abord, mettez quelques changements, portez quelques changements dans l'article 13 et 21 estati patia. Ensuite, mettez un nouveau responsable dans tête principe. Dans premier plan, tout membre présent dans l'assemblée générale extraordinaire décidé à partir de date 27 mars là pour changement titre moun qui nan tête principe là c'est comme ça en place président yo te met en place nan place président yo mette d'accord sous coordonnateur national nan même changement titre si là t'es responsable nan article 21 après décision si là tout membre parti à la Ronde Badin qui était présent dans l'Assemblée générale extraordinaire ça t'ai choisi mettre Bedford Claude qui c'est ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince comme coordonnateur national principe. Bedford Claude lui c'est nouveau coordonnateur national parti politique principe et décision ça prend dans l'Assemblée extraordinaire qui est organisée dans date 27 mars qui s'est passé là. N'a fait connait toujours principe qu'a parlé, n'a fait connait décision ça yo prend dans l'idée pour principe continuer travail pour accompagner population dans bataille pour changement condition la vie li. Mettez campé yon l'état jam k'a bay tout haïtien et tout monde k'a vive dans pays a bon gens service qui c'est dans domaine la santé, l'éducation, travail, logement, sécurité, la kilti au soit dans développer pi bon coopération avec l'autre pays dans respect yon pour l'autre pour nous sauver souveraineté et identité n'a travail pour yon l'état qui respecte droit tout monde sans distinction n'apporter service dans tout raccoin pays.
République Haïti, c'est un bel terre qui chargé avec bon gens ressources dans tout domaine. Bon gens vent l'espoir cap souffler. Bon gens vent l'espoir cap souffler. Tout côté avec bel soleil la vie qui doit éclairer pour tout petit pays. Port-au-Prince, c'est dans date 19 mai 2024. Pour secrétariat général principe, c'est Daniel Samedi, secrétaire général. Il parlait de Bernard René, responsable communication. Boucanté la parole. Président Gloire Bonhomme, ancien candidat député Kouadé Bouquet, responsable national mobilisation. Et puis, il y a Lével Clairville, conseiller aux affaires politiques. C'est entre autres parmi nous qui signent un document principe ça, qui mettait ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince là, mettait Bedford Claude comme coordonnateur national principe, structure politique ça qui est le principe. Nous allons proposer ça.